mais ça, c'est un lot tordu de chez Loup-Garou France. Je l'ai vu tout à l'heure. Il était en train de faire son reportage. Bon matos, ça. J'ai croisé l'autre tordu de chez Loup-Garou France tout à l'heure, l'escroc. J'avais envie de le clasher un peu sur YouTube. Mais il répond pas, il a peur. C'est un bonhomme, à mon avis, tu l'as en face, il la ramène pas. Oh, hein? Qu'est-ce que tu fous, là? Touche pas à ça, donne, hein? Donne. Enchanté. Ah ouais. Salut Loup-Garou France. Ça va? Et qu'est-ce que tu fais avec la caméra, là? Bah écoute, je cherchais son propriétaire. Tu sais bien que c'est moi, je t'entendais, Loup-Garou France, Loup-Garou France. Ah, c'est pas possible, j'ai pas ouvert la bouche. J'étais en train de faire un plan de coupe, touche pas la caméra. Je l'ai posé ici, tu touches. J'ai pas touché la caméra, ouais. Je suis ravi de te voir. C'est vrai? Ouais, ouais. Parce que j'ai cru entendre, enfin, je me suis peut-être trompé, j'ai cru entendre que tu voulais me clasher ou un truc comme ça. Aucune connexion possible avec moi. C'est vrai? Non, impossible. Tu me le dirais si t'as un problème avec moi? Ah, je suis honnête, je suis réglo, jamais de la vie. Okay. Je suis en face, je t'aurais dit. Ouais, voilà, surtout t'hésites pas, là tu m'as en face, vraiment, parce que je te connais, tu vas aller voir sur internet, tu vas dire des conneries sur les réseaux sociaux, caché derrière ton ordinateur, ou truc comme ça. Non, c'est super, t'es cool, t'es génial. Non, okay. Je t'adore. Ok. Un coup de main? Bah écoute, non, j'ai pas besoin de ça, j'étais juste en train de faire des plans de coupe, bah c'est bon, tu peux te barrer alors si t'as pas de problème. Ciao. Salut. Continue, t'es génial. Ah, pauvre con. Bienvenue sur Loup-Garou France. On est synchro, vous l'avez reconnu. Joe, Jonathan et sa femme Carole qui ont déjà témoigné. Et vous vous souvenez, on a été venu déjà faire un reportage dans le coin Couzens-les-Forges. Voilà, on est donc dans la région. Et je vous avais dit que je reviendrai, comme dirait Terminator. Et du coup, je suis revenu et je vous en remercie infiniment, donateurs, parce que c'est grâce à vous qu'on est là. Et puis bien sûr, grâce à Joe et Caro, qui me permettent aussi d'être là, qui coproduisent ce reportage-là. Donc, merci à tout le monde. Donc, c'est parti pour une nouvelle aventure. Je ne vous ai pas filmé tout le trajet, parce que vous l'avez déjà vu dans le premier reportage. Donc, je pense que vous n'avez peut-être pas besoin de revoir... la route, hein, parce que c'est un peu monotone, donc voilà, on est parti. Alors là, Joe, on va où? On va sur un point qu'on pense chaud. Ouais, tu me disais qu'ici, forcément là, la nuit, c'est pas la même ambiance. Hein. La nuit, l'ambiance, c'est pas la même. En plus, c'est des bois dans lesquels on trouve beaucoup de trous dans le sol, qui sont reliés à des grottes souterraines, en fait, qui passent sous tout le village où on est et tous les villages alentours. Voilà, et on pense qu'ils passent quand même pas mal de leur temps cachés, ou en tout cas vivant là-dessous, quoi. Tout à fait. Donc ça peut être intéressant comme point. Tout à fait. D'où notre présence, et on va... On va y installer quelques caméras. Hein. En fait, tu vois, la dernière fois, c'était un peu plus facile à pratiquer. Il y avait moins de... Les ronces étaient moins montées que ça. Oui. J'avais eu moins de mal. Ouais, ouais. Ouais, bah là, on est au mois ça d'août. C'est un peu plus compliqué. On est le 2 août 2064, c'est ça? C'est le turfu, mon frère. Ouais. Donc, on a déjà pas mal fait ce coin-là avec Caro. La forêt est encore plus sombre après. On passe à un endroit où la forêt a été rasée, et une dizaine de mètres après, elle est encore plus sombre, elle est encore plus sauvage. Ouais, et c'est là-haut qu'on s'est fait surprendre par on ne sait pas exactement quoi. Oui, tu as vécu une histoire il y a quelques mois, effectivement. Où... Oui, mais là, vous pour avez le coup, été suivi. Ouais, alors là où on a été suivi, c'était un petit peu avant. C'est un peu avant, ouais. Et c'est là par contre où la bestiole, elle a fait que d'hurler, Caro, elle a été surprise. Mais c'est vrai que l'ambiance, elle change la nuit ici. Quand on viendra ce soir, ouais. On regardera, tu nous expliqueras exactement où c'est. Oui. Je ferai un détail, un vrai détail de ce qui s'est passé. Ouais. Un vrai détail de ce qui s'est passé. Donc là, on peut aller dans quelle direction? Moi, j'irai par là, du coup. Alors, vas-y, je te regarde. Eh ben, allez, c'est parti. Je me regarde en même temps. Ouais, ok, regarde-toi. On se regarde jamais assez. Ouais. Il y a un morceau de forêt qui a été rasé juste après, tu sais, pour le passage des lignes électriques. D'accord, ouais.
Mais ouais, donc c'est juste par ceux qui travaillent dans la forêt, quoi, les bûcherons, c'est tout ça. Ouais. Je pense qu'il y a quelques cyclistes, et encore, quoique on ne voit pas de traces de vélo, rien. Ouais. Donc, j'ai l'impression qu'il y a un petit moment que personne n'est passé quand même. Ouais. Ni en moto, ni en vélo. Il y a tous ces coins-là. Mais on voit que le chemin est entretenu quand même, quoi. Oui, c'est clair. Oui, parce que t'as des gens qui possèdent des morceaux de forêt ici dans lesquels ils viennent faire des coupes de bois. Oui. Tu vois, hein, même si c'est pas récent, il y a quand même du bois coupé. Oui, tout à fait. Mais c'est pas super emprunté. À chaque fois qu'on est venu ici, en tout cas, on n'a jamais vu personne. Ouais. Que ce soit en après-midi, en soir ou en nuit, on n'a jamais croisé personne. Et t'habites à côté. Et on habite juste à côté, ouais. Ça a été creusé ? Ouais, ça a été creusé, ça. Ça, c'est... Ouais, c'est sans doute un... Peut-être un ornithorynx ou un truc comme ça. Un pélican, ça. Un pélican ? La trace de bec, ouais. Ouais. Un pélican. C'est les gros nasses qui n'y connaissent rien du tout. Ça, c'est Robert. Et tu peux me croire, hein. Il est encore venu creuser. Ouais. Comment va-t-il, ce bon vieux Robert, d'ailleurs ? C'est vrai que c'est marrant. Il va super bien. C'est vrai, il va bien ? Ouais. Ouais. Tant mieux, parce que beaucoup de gens m'ont demandé. Des nouvelles de Robert ? Ouais. Bah c'est normal, on s'inquiète. C'est un homme bien, Robert. Oh oui. On y va ? Allez, c'est parti. Là, je serais pour déposer une caméra ici. Il est pas mal, le coin, là. En plein dans le chemin. Directement dans le chemin ? Ouais. Là, ouais, quelque part par là. Faut qu'on se décide. On voit qu'il y a des bûcherons qui viennent faire le job ici. Mais ça a été déposé il y a un petit moment. C'est vieux, hein. Ouais. C'est pas de cette année, ça fait quelques années, ça, hein, que c'est posé là, à mon avis. Hein. Ouais. Non, parce que tu vois bien que le chemin est plus vraiment emprunté. Hein. C'est pour la vignette, ça. Ah ok. Ah ouais. Donc on réfléchit. Et ça y est, on a réfléchi. L'idée c'est de rester plutôt dans les forêts la nuit, après avoir posé les caméras. Et ensuite, le jour, plutôt rester au niveau des carrières, des grottes, tout le bordel là. Donc, puisque les loups-garous généralement dorment le jour, donc quand ils dorment, c'est pas forcément dans la forêt, c'est peut-être sous des souches d'arbres, tout ça, mais bon, dans des tanières, mais et beaucoup dans des grottes. Donc, c'est plus stratégique d'aller là-bas, quoi. Mais par contre, la journée, bah, la nuit, ils sortent. Donc, bon, on va voir ça, quoi. Bon, on va poser déjà une caméra dans ce chemin. Je sais pas, je le sens bien, ce chemin. Bon. Première caméra. Joe et moi avons décidé de la mettre ici. Oh, putain, la force ! Une bête ! Ouais, on va la placer ici. Tac. Mais par contre, là... cette branche là. Et là il s'allonge, tu sais, raide. Vous étiez sur Loup-Garou France. Vous étiez, ouais, c'est ça, vous étiez sur Loup-Garou France. Toujours le mot pourri. Toujours le mot pourri. Ah, si ça sent pas l'escroquerie. Hein? Franchement, on le savait. Ça se sent. Le mec, il achète des tonnes et des tonnes de caméras. Il a pas mis de pile dedans. Hein. Ha ! Je vous le dis. Ouais. C'est pas des piles, ça, en vérité. Hein. C'est des fausses piles. C'est des piles factices. C'est mon fils qui les a dessinées. Ouais. Il dessine bien. Un joli dessin de piles. T'as vu ? Il a un talent, un don. Chapeau chinois. Hein. Ça pourrait pas être mieux.
Surtout, tu coupes la caméra si je me casse la gueule, parce que sinon mon ego va en prendre un coup. Je te promets de ne surtout pas la couper. Merci. Voilà. Ah putain, t'aurais pu laisser en haut, comme ça tous les gens auraient cru que je faisais une grande chute. Putain. Et tu me disais que de toute façon il n'y a pas énormément de passages, puis voilà. Non, on voit bien qu'il n'y a pas énormément de passages. Puis c'est logique, c'est reculé de tout. Je veux dire, bon, vous ne vous rendez pas compte, mais en fait, bon. Oui, il n'y a rien avant des kilomètres. Combien ? Il n'y a rien avant des kilomètres là. Ouais, ouais. On a combien, nous, on a fait quoi ? 2 kilomètres ? On a fait 3 bons kilomètres et demi. 3 bons kilomètres et demi, ça change. Ouais, ouais. Non, non, mais sans déconner. Ouais, ouais. Non, mais voilà, ouais, il n'y a rien autour. Là, une forêt comme ça, tu imagines, un loup-garou, il passe tranquille toute sa vie. Sans se faire repérer. Des loups-garous, même. C'est ce que je vous disais juste avant, il y a tellement de forêts partout que... Pouf ! Voilà, donc... Bon, je vérifie bien si c'est bien sur le mode vidéo, que je n'ai pas de surprise. Ça m'est arrivé l'autre jour, j'ai pris que des photos. 204 photos. Bon, manifestement, c'était du chevreuil tout ça, mais quand même, j'aurais bien aimé... voir. C'est bon, c'est bien en mode vidéo. Hop, là, l'angle, il est parfait. 15 secondes, barre-toi, ça va exploser. Oh voilà, on laisse la première caméra ici et on va installer une deuxième caméra autre part. Là c'est intéressant, il y a un chemin. On est à un carrefour quoi. Ouais, c'est ça. On est à un carrefour. Là le mec, si quelqu'un venait à passer et qu'il voyait la caméra, ça serait vraiment la malchance. Non, ça reste discret. Hein. Je pense vraiment qu'on risque rien là. Ah ouais ? C'est quoi comme papier ? Je sais pas, un papier quelconque. Je le veux ! Putain ouais, pitch. Puis on va le mettre à la poubelle, plutôt que de le laisser dehors. Ouais bah ouais, c'est bien, c'est bien. C'est plus fort qu'eux, hein. Ouais. Il faut qu'ils balancent leur merde. Des fois même tu retrouves les muselières des fois. Ouais, ouais. Ouais. T'appelles ça comment, toi, un masque ? Une muselière ! Ah voilà, muselière, ouais, d'accord. Muselière, ouais, t'en trouves partout des muselières. Ah bah ça ouais. J'ai jamais trouvé de billet. Merde, ah ça c'est con. Peut-être un jour, hein. On sait pas, à force de ramasser. Ah bah là en France on ramasse bien déjà. Non mais voilà, quand tu marches, quelque chose, tu le ramasses, tu l'emmènes et voilà, c'est. Tout à on n'en parle plus, c'est fini. Absolument. C'est fini. Bon, j'avoue que les masques ça dégoûte un peu plus. Ouais. Et... surtout quand tu vois ce que ça représente. Ouais, voilà, c'est ça. Le mensonge, la propagande, la peur. Le satanisme. On peut dire ça comme ça, oui. Mais si on fait tous le geste là. Oui, et franchement, je préfère le dire d'avance, tu n'es pas écologiste. Ah non, pas du tout, je vois voilà. Qu'un V6. Ouais, donc t'es juste, non mais c'est du bon sens, quoi. En fait, tu balances pas ta merde par terre, c'est juste ça. Non, quoi. C'est ça. Je tiens à le dire parce qu'il y en a qui ont dit, c'est écologiste, tu sais, machin. Non, non, c'est juste qu'on respecte où on vit, c'est tout. Absolument. Puis honnêtement, c'est plus agréable d'avoir une forêt sans déchets. Clair. Voilà, on ramasse ce qu'on trouve et quand on repasse la fois suivante, eh ben... puis c'est aussi une façon de respecter l'environnement dans lequel on vit. Dans lequel on vit. Et l'œuvre de Dieu. Exactement. Parce que tout ça, exactement. Ça n'a pas été créé par hasard. Non. Là, il y a des bestiaux qui passent. Ouais, là, je l'avais pas repéré. Ouais, puis je sais pas, il y a peut-être des traces de pieds, quelque chose. Tiens, petit chevreuil ou un coup, ouais, ça c'est du chevreuil, ça, ouais. Pas très gros. Je sais pas si on voit bien la caméra. Ouais, ici. Hein. Ouais, chevreuil, ouais, ou comment on appelle ça ? Un cendrier. Un petit cendrier, un petit marcassin. Je sais pas si c'est accessible. Après, on je pourra pas, repasser. J'ai un peu envie de vous voir. Vas-y, on y va en vite. Ouais, en vitesse. Ouais. Merde, il y a des ronces. Ah bah ouais. Vas-y. Ok, c'est bon. Merci. On
règle générale. Là, tu vois, mon cher abonné, on vient de croiser une petite libellule. On a une grosse libellule d'ailleurs, jaune, magnifique. Comme on avait eu, vous vous souvenez, dans le reportage du côté de Fougères-sur-Bièvre, libellule magnifique, bleue. Donc ça veut dire qu'il y a un point d'eau dans le coin. Putain, alors là, on est entouré de ronces. Hein ? C'est pas emprunté ici. Hein. Ah ouais, pas du tout. Y a pas besoin d'aller très loin après les sentiers. Tu sais quoi, j'ai envie de poser une caméra ici. Hein. Franchement, c'est... Qu'est-ce que t'en penses ? C'est pas mal. Mais ce sentier-là, il était pas là. Il était pas là ? Non. Ce petit sentier-là, il n'existait pas. Et tu vois, c'est vachement bien fait, mais il n'y a pas d'empreinte. Par une petite empreinte, on n'a rien vu. Ah ouais. Ouais, il est vraiment utilisé plus que fréquemment. Ouais, c'est tellement sec. Hein. Il fait une chaleur. Ouais, il fait hyper chaud. Mais il vaut mieux ça que de se cailler. Bon, en même temps, c'est souvent ça, l'été il fait chaud. Hein. Et puis en hiver, il fait froid. Puis en automne, la feuille elle tombe. Et puis il pleut. Puis ouais, des fois il pleut. Oh putain, ouais, alors. Ah ouais, alors, c'est parti pour nous. Des fougères partout. Des fougères sur Bièvre. Ouais. Eh bien, tu suis. On va déposer une caméra dans le coin. Tiens, regarde, il y a un passage ici. Où ça? Là, juste là. Ouais, passage là. Là-haut aussi. On le voit, il se dessine. Et ici aussi. Ouais, ouais, à l'écran ça aplatit un peu tout, mais là, je sais pas si vous voyez, on voit. Vous voyez, il y a du passage là. Ouais. Tic, 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 tic. Donc il a été emprunté il y a hyper peu de temps. Ouais. On te pose une caméra ici ? Ouais, j'avoue que c'est un super coin ici, il me plaît vachement. Qu'est-ce que tu proposes en termes de proposition ? Faut proposer obligatoirement ou on peut juste soumettre ? Non, tu peux proposer ou. Dommage, j'aime bien soumettre. C'est vrai ? Ouais. Attends, là t'es en train de m'embrouiller. Attends, je peux réfléchir un petit peu ? Pas longtemps. Ouais, de toute façon, ça risque pas, j'ai pas l'habitude. Puis ça fait mal. Non, mais même, tu sais très bien que le docteur m'a diagnostiqué un cerveau de femme, donc j'ai pas l'habitude. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Oh putain, là avec les féministes. Tes 9 personnalités. Oui. Là, les féministes sont en train de chier les briques. Tu vas te faire arracher la tête. Ben non, il y a des femmes qui comprennent l'humour. Il y en a pas beaucoup, mais il y en a. Très peu. Deuxième caméra, on va la poser ici, sur cet arbre là où il y a la marque bleue. Voilà. L'endroit est incroyable, je trouve. Il est super chouette cet endroit. C'est dommage, on le ressent pas, forcément, on le ressent pas à la caméra, mais il rend pas aussi bien qu'en vrai non plus, quoi. Le Bigfoot dans son habitat naturel casse des branches. Bon, celui-ci est un peu galeux parce qu'il a plus de poils. C'est vrai, tu trouves que je ressemble à un Bigfoot? C'est à cause de mes New Rock que tu m'appelles Bigfoot. Ouais, là c'est clair, Bigfoot. Ah, dans la culture gothique, on a des pompes de psychopathes, c'est pour aller sur la lune. T'es trop bien dans les New Rock, je te jure. Hein, c'est vrai, copain. Faudrait que j'essaye les New Rock un jour. Vraiment, t'es trop bien dans les New Rock, je te jure. Par contre, ça coûte cher. Moi, je les achète en général à Camden Town, à Londres. Là où on est plus tranquille déjà sur le plan culturel. Pourquoi en France, t'es pas tranquille sur le plan culturel? Généralement, la culture goth, c'est beaucoup de discrimination, de préjugés. Soit t'es insulté de sataniste, ou alors, c'est pas forcément dit frontalement, mais tu sens qu'ils pensent des trucs, ils te prennent pour ce que t'es pas. Oui, bah ouais, généralement, tout ce qui est lié à la culture goth, c'est-à-dire l'amour pour les choses macabres, artistiques,
enfin l'amour, ouais, l'aspect artistique des choses, la poétique, tu sais, c'est l'architecture, l'univers, quoi. L'univers, ouais, la musique, le style vestimentaire, l'aspect aussi contestataire du système, des modes instaurés, tout ça, c'est, ouais, ça passe mal. Ouais, parce qu'on sent que les personnes s'octroient une forme de liberté d'expression artistique, esthétique comme ça, puis ils extériorisent leur partie sombre, leur partie, ils l'assument, tu sais, donc ouais. Chez les gens lambda, elle est cachée en fait. Absolument, ah bah oui. C'est juste qu'on la garde à l'intérieur. Oui, oui, en vérité, on a tous plus ou moins nos névroses. Bien sûr. Il y a 30 ou 35 suicides tous les jours en France, c'est pas des gottes. Hein. Voilà, donc la caméra, juste là. Elle est donc juste devant le chemin. Donc voilà, on peut peut-être obtenir des résultats. On repassera dans quelques nuits, voir si on a quelque chose. Hein. Ok ? Vous avez vu ? Ça, c'est un arbre qui est comme neuf. Okay. Elle est rigolote, hein ? Elle est géniale, ta vanne. Merci. Non, non, mais t'as vu quoi? Bah, en fait, une masse noire, boum, derrière l'arbre. Et je me demande, c'est pas mes yeux, tu vois, qui ont... Ça m'a fait sursauter, franchement. J'étais en train de récupérer la caméra, je t'ai vu t'arrêter d'un coup, j'ai relancé. Tu vois, comme si t'as l'arbre là, ça a fait ça, quoi. Juste ça. C'est l'impression que ça t'a donné. Ouais. Ouais. Maintenant, est-ce que je l'ai vu ou pas? J'en sais rien. Bon, on n'entend rien, là, en même temps. Pas un bruit. Ouais, mais tu sais très bien que ça veut rien dire, ouais, que je le garou. Ça veut rien dire, mais... Bon, on avance quand même. On verra bien. Des fois, ça peut être un taré, hein. T'imagines un psychopathe un psychopathe, avec des machettes et tout. Des tours mortels. Ah non. Là, ce serait... Puis là, on est loin de tout, hein. Ouais. Mais enfin, les vrais tarés dans l'histoire, c'est pas eux, c'est nous. Exactement. Faut l'oublier. Ouais, le point d'eau qui fait qu'on a vu 2-3 libellules. Ah, c'est ça. Parce que j'en ai vu des petits en plus. AK. Écrit, non, ah, c'est ça. Ah, c'est ça. AKK. Oh là là. AKK. Ouais, les c'est vrai, il y a forcément un point d'eau, puisqu'il y a des... Oui, on a vu des libellules. Il y a forcément un point d'eau quelque part. Ouais. Mais je le connais pas. Ça doit être un tout petit bout de mare, un tout petit... Je suppose, hein. Si on pouvait poser des caméras, mais partout là, t'imagines, on cadrerait des zones entières. Ça serait génial. Il faudrait du budget là quand même. Ouais, un peu. Budget monstrueux. Justement, dans mon livre Loup-garou, la vérité, que vous pouvez trouver sur Amazon, hein, les liens sont dans la description, je parle du budget et du matos qu'il faudrait pour... organiser une expédition sur une année complète avec tout un tas de matériel et de personnes compétentes, spécialistes en informatique, en analyse photo, vidéo. Moi, c'est un peu mon job aussi quelque part, mais voilà, il en faudrait pas mal pour checker, analyser chaque image prise de façon journalière. Il faudrait nombreux chasseurs de terrain, nombreux spéléologues. Je ne parle même pas du nombre de caméras de surveillance, des caméras thermiques et autres. Enfin bref, j'entre dans tous les détails. Et allez voir regardez dans ce livre-là, je vous parle de l'enquête parfaite qui prendrait une année, 24 sur 24, avec forcément donc roulement du personnel. Ce serait extraordinaire, dans le meilleur des mondes. C'est ce qu'il faudrait faire pour avoir des images vraiment claires du loup-garou. Même si, avec Loup-garou France, vous l'avez vu, on a déjà eu des images, dont une image de loup-garou qui passe devant nous, ainsi que des grognements, des traces, etc. Bon, on a quand même des éléments
qui démontre le phénomène déjà des dunes et qui corrobore tout à fait avec le nombre de témoins oculaires en France et ailleurs. Donc techniquement, ça fait un paquet de preuves. Un témoignage n'est jamais une preuve. Des dizaines et des dizaines de témoignages, ainsi que du contenu vidéo et audio, ça commence sérieusement à le devenir, à force. Et ça, vous trouvez ça sur loup-garou-france.fr, premier dans la chasse au loup-garou. Et j'en suis fier. Et ça déplaît à beaucoup de monde. Alors j'en suis doublement fier. Tu te rappelles, Joe, quand t'as vu ton loup-garou, que c'est ton loup-garou à toi d'ailleurs. C'est le mien. Il est bagué. Hein. Tu te rappelles quand t'as vu ton loup-garou avec quand t'étais à cheval. Ça me rappelle rien. Ça te rappelle rien. Ça me fait passer pour un con, putain. Si, je me rappelle. Raconte une fois comme ça, pour ceux qui ne suivent pas forcément tout le temps Loup-Garou France, ce que tu as vu. On était à cheval, donc avec une amie. On s'est approché d'un morceau de forêt dans lequel on a déjà enquêté dans le dernier reportage ensemble. Mmh. Les chevaux refusaient d'avancer. Et en fait, au loin, on a vu une bête en train de se rouler dans la terre, dans un champ labouré. Une bête qui est en train de se rouler dans la terre comme une dingue. Couleur blanc crème cassé avec un petit peu de gris. Un mélange de couleurs blanc, on va dire. Et cette bête-là, quand elle nous a senti avec les chevaux, elle est partie à quatre pattes comme une folle, donc à l'opposé de nous. Et une quinzaine, 10-15 mètres avant l'orée du bois, elle a fini à deux pattes. Voilà. Mmh. En bipède, en train de courir. En bipède. Et elle est rentrée dans la forêt. Et les chevaux ne voulaient plus avancer. Vous pouvez voir l'intégralité de ce témoignage-là, tous les détails sur le premier reportage à Couzances-les-Forges, sur Loup-Garou France. Petit rappel, c'est extraordinaire. Ouais, j'ai eu une chance monstrueuse. Ouais, tu as eu quelques expériences liées au loup-garou dans ce coin-là, hein, donc c'est pour ça qu'on y traîne pas mal. Oui, c'est et tu n'es pas le seul. Non. Et ça, on l'expliquera ensuite. Il y a quelqu'un que tu connais qui a vécu une expérience aussi comme ça. On en reparlera tout à l'heure. Pas très loin, ouais, exactement. Ouais, il y a du loup-garou. Vous voyez tous ces trous là? Ouais. C'est bizarre ça. Ben, sur le coup, j'allais te dire que ça devait être des souches. Ouais. Mais non, en fait, puisqu'il y a des arbres, à moins que ce soit de très très vieux arbres qui sont tombés. Mais... Peut-être. Ouais. Là, je vois qu'il y a une vieille souche. Bon, après, on a quand même aussi pas mal de vieux trous d'obus. Ah oui, qui d'accord. De 45, ouais. Ouais. Ça se peut aussi que ce soit des vieux trous restants d'obus, quoi. Ouais. Mais là, j'avoue qu'il y en a énormément. On pourrait tomber sur une mine. Mine de rien. Mine de rien. Non, mine de crétarium, arrêtons de déconner. Ouais. Soyons sérieux un petit peu. On est sur Loup-Garou France, on n'a pas le droit de rire. Ouais. On est des chasseurs de loup-garou, nous on rigole jamais. Nous. On est des fous. On fait la gueule tout le temps, on est sérieux, t'as fait des putains de gueules. Fais une putain de gueule, vas-y. Voilà, on est sérieux, nous. Les gogoles, tu sais. Bon, bah là c'est pareil, en fait il peut se promener à côté de toi tranquille. Tu le sais pas. Il saute de trou à trou, tranquillement, planqué. Toi tu le sais pas, tu te rends compte de rien. Et là on se rend pas compte, mais ça fait un petit moment qu'on marche quand même. Et... Ouais, ça fait un petit moment qu'on marche. Là. Ça fait au moins 3 minutes. 5-6 jours. Facile. L'autre qui minimise, l'autre qui exagère à mort. C'est ça. Ah, vous pouvez nous faire confiance. Ce qui est chiant quand tu marches comme ça, c'est que tu te dis tiens, j'ai mal aux pieds. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Quand on marche comme ça, tu te dis je poserais bien des caméras partout en fait. Ouais, c'est ça, il y a plein d'endroits qui t'attirent l'œil. Tu te dis tiens, ici j'ai ma chance, ici j'ai ma chance. Là, ici, il n'y a personne qui passe. Hein, non, tu vois. Non. Là, je sais pas si vous voyez, il y a des trous, des... Enfin, c'est... Non, c'est clair. On se rend pas bien compte à la caméra. Ça écrase vachement, mais là, tout ça, là, ça fait des gros... Des orniens. Ouais, des orniens, voilà, ouais. Là, une voiture... Compliqué, là. Ouais. Donc, c'est vrai qu'ici, c'est un peu plus sauvage. Hein. Ah, y a un champ de l'autre côté. Ouais. Ouais. C'est le chant de quelle chanteuse?
C'est Céline Chian. Ouais, bon, il fait chaud, ça va. Ouais, mais droit à l'erreur. Le problème, c'est que même s'il fait pas chaud, t'es comme ça. Ouais, j'avoue que je suis naze toute l'année, en fait. Tu sais qu'on est les deux seuls tarés en France à être dans la forêt à marcher en train de chercher du loup-garou. Hein. Je pense que oui. Je pense que... En plus, c'est vrai. C'est sûrement vrai. Hein. Bah ouais. Bon, on vient de traverser une parcelle de forêt, vous voyez. Donc, vous racontez pas de conneries. À perte de vue, des champs. Là, on a des champs. Là, de ce côté-là, on a des champs. Ah, tout au bout là-bas, peut-être à 2 km, on a des maisons. Là, on a des champs. Là, on a un Joe. Là, on a des champs. Voilà, et la forêt. Vous voyez ? On est entouré de vert. Ouais. Donc, bon, bah, inutile d'aller dans cette zone-là. On a que l'embarras du choix. Maintenant, ce qui serait bien, c'est d'aller au niveau des carrières. On se retape tout et de voir s'il ouais. y a moyen d'entrer et de poser des caméras. Allez. Ah, il y a la tour Eiffel, juste devant, t'as vu ? Magnifique. On l'a piqué aux Parisiens, juste pour cette semaine. Ah, on a un budget colossal chez Loup-Garou France. Ah, il y a de la thune. On vous l'avait dit que c'était un escroc. Ça y est, on a la preuve. Ça rapporte. Ça rapporte, Loup-Garou France. On le voit bien qu'il est millionnaire. On le voit. Ouais, effectivement, c'est une vieille tour Eiffel. Hein. Ouais, très vieille. L'ancêtre. C'est une tour Eiffel préhistorique. C'est une triste. Bon, par contre, si, c'est plein de bestioles. Bizarre qu'il y ait plein de mouches comme ça dans le coin. Il y a un macabre ou quoi ? Bah, il peut y avoir des animaux qui s'éloignent pour mourir, tu sais, comme ouais. souvent. Après... Au pied de la tour Eiffel. Ouais, au pied de la tour Eiffel. Franchement, tu trouves pas que la forêt elle est dense ? Si, carrément. C'est pour ça que... Ça bouge ? Ouais, je danse. Non, elle est trop dense là, c'est... Comment tu veux rentrer là-dedans ? Ouais, réponds. Bonne question. Réponds ! Tout le monde te regarde. La tête la première. Mais tu vas répondre, la putain tête. Alors là, pour vous... Alors, en fait, on revient de la forêt, là où on a déposé les caméras. C'est-à-dire, c'était... On vient de là-bas, en fait. Et c'est ici que tu as eu un phénomène bizarre. On s'est fait suivre. Tu t'es fait suivre ? Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé ? On était sur le chemin là, ouais. qui passe juste devant nous. Vous avez été suivi deux fois. Donc une on a fois été ici suivi et une fois là où on avait été avec le là cheval. Là où il y a le parc ouais. du cheval, exactement. Et vous vous êtes fait grogner dessus, à cet endroit-là. Là où il y a le parc du cheval, on s'est fait grogner dessus. C'est ça. Ici, on s'est simplement fait suivre. Et ça faisait quoi ? À chaque pas que ça faisait, à chaque pas que nous on faisait, ça en faisait un en fait. Donc on l'a entendu, on s'est stoppé. Ça s'est stoppé en même temps. On a redémarré la promenade. Je vais te filmer pendant que tu expliques. Ouais. Donc on a redémarré la promenade. Ouais. Et ça a redémarré en même temps que nous. Caro m'a fait signe, genre on s'arrête. Mmh. Quand on s'est arrêté, ça a refait un pas de plus et hop, ça s'est stoppé aussitôt. Mmh. Donc on est passé à autre chose, on a continué notre promenade. Et quelques jours après, on est revenu ici promener nos chiens. Oui. Et ça a recommencé, ça nous a suivis. Incroyable. Pas à pas. Et quand on s'arrêtait, ça s'arrêtait. Et c'était, alors, c'était où ? Dans les fourrés ici là ? Dans c'était... les fourrés là. Ouais, d'accord. C'était peut-être à 4-5 mètres de nous. Waouh. Putain, c'est incroyable. Hein. C'est incroyable. Donc on aimerait bien y rentrer, quoi, voir si on peut y rentrer déjà. Ouais. Bah ouais. C'est pas forcément gagné. Ça serait pas mal. Ça serait pas mal. C'était peut-être un petit peu moins vert quand même. Hein. Ouais. Du coup, bah ouais, on va essayer de venir un soir. T'es jamais venu le soir ici ? Non, le soir oui, la nuit non. Oui, la nuit, oui. Ouais. En voiture, oui. De c'était nuit. Dans ce bois, dans ce truc-là. Exactement, le long, là. Le sanglier ? Le gros sanglier. Mais il est bien dosé, lui. Ouais, c'était ouais, massif. Ouais. Tu sentais que c'était massif. Ouais. Oui, oui. Et puis, il y a deux pas. Tac. Ah ouais, bipède. On l'a entendu. Ouais. Bon, sur le coup, on n'a pas forcément pensé à ça. Sinon, on s'est dit qu'il y avait quelqu'un. Mm. Mais comme ça nous l'a refait quelques jours après... Ça commence à devenir un peu étonnant. Et le petit passage, là, le petit chemin là, j'aimais pas du tout. Ouais, t'avais un pressentiment ici ? Ouais. On est repassé depuis, pas de problème. Mm-hmm. Et les deux fois là où on est venu, je le sentais pas du tout. Ouais.
Et là, du coup, là-bas, là, y a un long chemin, tout ça. De temps en temps, vous avez vu, il y a une petite voiture qui passe à gauche, à droite. Mais... Et du coup, de l'autre côté, bah, y a la forêt, à, je sais pas, à un kilomètre, un truc comme ça. Ouais, et puis, là-bas, à 200 mètres, 300 mètres, y a, c'est quoi, c'est une ferme? Oui. Ah oui, c'est une ferme. Exactement. Ouais. Bon, bon, on va voir si on croisait quelqu'un, ce serait bien de lui poser quelques questions, s'il n'a pas entendu parler de loups dans le coin. Ouais. On reviendra alors. On verra s'ils sont affirmatifs ou pas. Ouais, c'est peut-être dense, mais... Mais ça passe. Ah oui, une bestiole... En fait, tu vois, ça aurait même pas pu être quelqu'un. En fait. Ouais, ouais. Ouais, puis après, ça dépend de la saison aussi, quoi. Forcément, là, on est en plein été... C'était au beau jour, hein. Ouais. Ouais, c'était au beau jour. Ah oui, parce que c'était l'année dernière, ouais, en exactement. Été exactement. Ah oui, d'accord. C'était en... Ouais, début d'été, exactement. Je pense qu'il y a forcément possibilité de rentrer quelque part. Ouais, enfin, ouais. Là-dedans, il y a d'ailleurs un paquet de vipères. Ouais. Oui, mais bon. Bon, moi, avec mes New Rock, j'ai pas de problème, mais... Ah, moi, avec mes mollets, ça devrait aller. Ça ira, ouais. Ouais, ça ira, c'est bon. Ouais. J'ai peur pour la vipère qu'elle se pète une dent. Ouais, c'est possible. On va repasser ici, le soir, on va regarder. Oui, je suis sûr que... Ouais, tu vois, là-haut. Ça, c'est une entrée à notre spot. Ah, t'as vu encore une tour Eiffel? C'est dingue, il y a du budget quand même. Hein. Ouais, c'est ça chez le Garou France. Ça va être compliqué d'y rentrer. Hein. Ouais. Peut-être par là? Non, même pas. Alors, on voit que c'est. On voit que c'est hyper dense, quoi. On peut pas rentrer là-dedans, quoi. Il n'y a rien, il n'y a aucun chemin. Aucun. Bon. On va voir au niveau des carrières? Allez, on va essayer de trouver une entrée, ouais. Hein ouais. Voilà, bon, on a fait 2 km en voiture à peu près. Et donc en dessous, là-bas, alors là ça se voit pas forcément à la caméra, mais moi je le vois, il y a de la roche, quoi, en fait. Hein. Donc on va voir si on peut passer par en dessous pour essayer d'avoir accès. Ça se rafraîchit. Tu sens le frais des caves, hein? Ouais. C'est impressionnant. Les pieds, on va se mettre dedans ou juste à l'entrée. Ouais. Tu faisais hyper chaud. Ouais, c'est toujours à une vingtaine de degrés. Tu la sens de plus en plus. Ouh. Waouh. Ouh, j'avais pas vu ça. Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui. Parce que t'avais vu qu'il y avait une entrée à côté. Ouais. Non. Ouais. Oui, je l'ai vu au moment où j'ai fait waouh. Wow. Ouais. Il y a quoi là? Ça, c'est un chouette. Truc, c'est un transfo. Bon. Donc là, oui, c'est les grosses entrées. En fait, c'est juste tenu par un petit élastique. Ouais. On sait qu'on peut. Et puis il y a ça, regardez, du passage. Oh putain, c'est incroyable. Génial. Attendez, je vais sortir la lampe. Ouais, mais je mets la lampe, ouais. Un petit coup de loupiote. Il y a écrit quoi là? Entrée interdite selon arrêté municipal. Production d'accès. Cahier, souterraine. Ouais. Bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Le problème, c'est que nous, on chasse du loup-garou. C'est ça le problème. Donc, on va revenir une fois que l'interdiction aura sauté. Ouais. Passer 11h du soir. Voilà. C'est valable que pour la journée. Ouais, on est bien dans les carrières, comme je les connais. Waouh. T'as vu, il y a un panneau là, je sais pas ce que c'est écrit dessus. Ouais, bah, ils te préviennent que tu vas mourir et te perdre. En gros, c'est ça. Ils essayent de te mettre un petit plan et ils flèchent. Pour les inconscients, tu vois.
Donc les coins un peu connus, c'est fléché. Pour que tu arrives à te retrouver à peu près. Ouais. Mais c'est impressionnant, je n'avais pas vu cette petite entrée là. Par contre, on voit que ça passe. Hein. Là, on passe tranquille. Ouais, sans problème. Alors là, il va falloir trouver le meilleur endroit pour poser une caméra déjà à l'entrée de cette grotte. Qu'est-ce que t'en penses, Joe ? Il faudrait qu'on arrive à avoir l'entrée et les autres entrées, en fait, parce qu'il y a deux entrées en réalité. Hein. Ouais. On la met où ? Là ? En face ? Là ? Ici ? Pour avoir les deux entrées ? Comme ça, on a les deux entrées, ouais. Ouais, ouais. Puis plus la vue sera large. Par contre, il faut virer les feuillages aussi devant là, parce que là, ça va déclencher la caméra. Même si elle est dans un trou, il va y avoir un coup. Ouais. Si un coup de vent, ça va la déclencher. Ouais, c'est sûr. Donc on la dépose ici. Allez, c'est parti. Voilà, c'est ce branchage qui est devant toi là, qu'il va falloir virer. C'est la caméra. Ouais. Ça passe quoi à cette hauteur-là comme ça ? Ouais, c'est bien, c'est bien. C'est pas mal. Ouais, voilà. Je suis en train de me faire dévorer par les fourmis là pour le loup-garou France. Je suis sur un nid. C'est la dure vie de chasseur de loup-garou. Voilà, la caméra a été posée par Joe derrière, dans cette direction-là. Et voilà, on voit le portail et tout ça. Donc là, on va aller manger, parce qu'on a faim. Et quand on a faim, on mange. Ah, c'est vrai, Joe. Et puis on fait ce qu'on veut. Et en plus. Bah, bien sûr. Il est pas d'accord. Il a un problème. Alors. Ça, et puis on va... Les mecs, ils doivent croire qu'on est vraiment sérieux quand on parle comme ça, s'il y a tout. Ils ont un ego d'enfer, les c'est mecs. Ça. Et parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas forcément le second degré, je le vois des fois. C'est... Enfin bon, on va pas s'empêcher de rigoler quand même, hein, il faut rire. Surtout de nos jours, il ne nous reste plus que ça de toute façon aujourd'hui. Et ensuite, on revient ce soir, du coup, on va entrer à l'intérieur de cette grotte et on ira là où il a vu, il a entendu avec sa femme. Une bête qui le suivait dans les forêts et c'était pas loin de toi en plus, c'était à quoi, à 4 mètres environ ? Ouais, c'était à 4-5 mètres. Mmh. Donc c'était quand même près. C'est étrange, on va aller sur le terrain, voilà. Et voilà, nous sommes repartis dans la zone que vous avez vue dans les images précédentes. Donc nous allons retourner en pleine forêt sur le lieu où Joe et Caro se sont fait suivre et ensuite on ira dans les grottes. Voilà pour le programme de la nuit. Donc là on est en éveil, les oreilles sont... Tous les sens sont en alerte. Ça va Joe ? Impeccable, motivé. Ouais. Ouais. A peur ? A peur chat. Hein ? Toujours pas à peur chat ? Non. A peur chat. A peur chat, ça veut dire quoi ? Je sais pas en fait. C'est un collègue qui était complètement dégénéré. Quand il avait peur, il nous disait à peur chat. Ah ouais ? Bon bah, à peur. Sur ce, les gars. A peur chat alors ? S'il n'y a pas peur chat, c'est que t'es pas normal. Non mais des fois, on se fait chier avec le français. C'est ça alors... la quoi ? Il suffirait d'inventer des mots, puis comme ça on peut... Moi j'ai arrêté d'écrire correctement. Ouais. Ah, maintenant tu parles que t'écris à base de wesh, de lol, de... Wesh, lol, ouais. Les prénoms ça sert plus à rien, on s'appelle tout ça. Ouais. T'as vu, si la famille, ouais gros, tranquille, bien ou bien, pépère, allez-en. Tu vas être crédible avec cette histoire. Je pense que je vais pas tarder à me garer. Ouais. Même me garer ici en fait. Ouais, on peut marcher un peu. Parce qu'on est vraiment pas loin. Je vais être intelligent, je vais nous mettre en marche arrière. Prêt à repartir ouais, en fait. Ouais. Ouais c'est vrai que où ça dégénère, tu vois. C'est vrai que c'est hyper intelligent. Ah. C'est étonnant autant de. Venant de ma part, j'avoue. Ouais. Des fois je m'étonne moi-même. On
est arrivé. Plus que 3 km à pied, on y sera. Alors, là, comme on est en pleine nature, il pourrait arriver n'importe quoi. J'ai le katana. Et oui, c'est un katana avec une bandolière. C'est mon papa qui me l'a construit. Donc voilà, ça, le katana à la base c'est un cadeau d'un supporter que je salue. Et la bandolière qui a été installée par mon papa qui est très bricoleur. Voilà. Donc je peux l'avoir sur le dos à certains moments des reportages désormais. Voilà, ça me fait ça de moins à porter et au moins je peux le sortir à tout moment si il y avait le moindre problème. Ce que je ne crois pas, mais vaut mieux prévenir que guérir. C'est les chevreuils qui passent ici, je les gaule à chaque fois. Ça vient de siffler ou je suis fou? Ouais, ça a sifflé. Merci, on est d'accord. Ouais. Alors là, je vous explique, on vient de partir, on vient de démarrer, on a entendu un bruit là-dedans, donc je me suis mis à filmer, et ça a sifflé. Et là, il y a des chevaux qui hennissent au loin. Il y a quelque chose là-dedans. Je pense que c'est petit. C'est pour les chevreuils qui passent ici, je les gaule à chaque fois. Ça vient de siffler ou je suis fou? Ouais, ça a sifflé. Merci, on est d'accord. Ouais. Alors là, je vous explique, on vient de partir, on vient de démarrer, on a entendu un bruit là-dedans, donc je me suis mis à filmer, et ça a sifflé. Et là, il y a des chevaux qui hennissent au loin. Il y a quelque chose là-dedans. Ouais, c'est épais, mais c'est impressionnant l'épaisseur. Ouais. Ouais. Bon, on a entendu. Oui. C'est ça que t'allais dire, non? Oui, on a entendu un sifflement ouais. Tout à l'heure. Bah ouais. Là, des sons de. Dans les, des bruits dans les fourrés. Ça doit être une petite bestiole. Je ne sais pas ce que c'est. Ça va vivre cette nuit. C'est à peu près sûr. Le katana est derrière. Là. Et là, on est parti. On entre dans la forêt. Dans la forêt, là où on a déposé les caméras nocturnes. On va pas passer à côté pour pas les déclencher. Ouais. Surtout que là, peut-être à ce temps-là, on va pas les déranger, ils sont peut-être en train de dormir. Exactement. Ah, on voit un truc qui brille là-bas. C'est un renard. Viens, on y va. Ou un chevreuil. On va les faire peur à mon avis. C'est pas grave. Viens, on y va. Et là, c'est un chien sauvage, mais on s'est trop petit. Bah, on y va quand même. Je sais pas si vous voyez. Oui. Alors Jacques crève un œil. Non. Regarde, il y en a un là même. C'est trompeur. Hein. Bon, moi, c'est pour ça que je voulais voir, c'était pour être sûr. Par contre, ça bouge là-haut. Oui, il y a du bruit. Ouais. Bon, tu le sens, là, le petit coup de pression, ça y est. Ouais. C'est maintenant que tu le sens, hein? Ouais. Ah bon, hein? C'est drôle, là, ça fait moins le malin. Ça, c'est dingue. Bon, malgré que là, elle a l'air assez vivante, la forêt. Putain, il y a un frelon. Ah ben, je te l'ai dit tout à l'heure. Ah, putain, casse-toi, fils de pute.
planète une minute, si tu veux qu'il se barre. Tant qu'on aura la loupiote. Ah ouais, tu vois, faut pas que... Ah, je vois rien du tout. Moi non plus. Tu l'entends, lui? Même lui, il rigole. Tu sais que j'emmène plus large, là, comme même. Ouais, je te jure que c'est vrai. Ouais, ouais, bah ouais. C'est plus la même ambiance que tout à l'heure. Même, tu vois, je t'ai dit, il y a d'autres morceaux de forêt, no problemo. C'est super cool. Celui-là, dès qu'il commence un petit peu, tu sais, il fait pas nuit, mais entre chien et loup, je suis plus clair ici. En général, avec Caro, on fait demi-tour, on cherche même pas. Ouais, ouais, non. On pousse pas le vis. T'as choqué. Oh, il y a des yeux, là. Tu les vois? Non. Si, si, là, regarde là. Loin. Ah oui, je le vois. Tu le vois? Petit œil. Non. Et c'est des gros yeux, deux gros yeux. Ah merde, alors j'en vois qu'un petit morceau. Il regarde, fixement. C'est un chevreuil. On voit ses grandes oreilles. Waouh! Ah ouais! Ah ça y est. Ils sont plusieurs. Ouais, je vois, ça y est. Ils étaient en train de dormir. Incroyable. Désolé pour le dérangement, les gars. Il y a un truc qui marche sur la gauche. Ouais. Mais j'arrive pas à trouver. Tu peux sortir la caméra, les jumelles nocturnes, s'il te plaît? Je voudrais filmer ça. Il y a un truc à ma gauche depuis tout à l'heure. À ma gauche, à moi. Ouais, je te jure, ça commence à me faire... Ça commence à me... T'as pas entendu un souffle? Si. Hein? Si. Ouais, c'est ça. On est d'accord. Je commence à avoir la pression, là. Je voulais pas te le dire, en fait. Je me suis dit, merde, parce que j'écoutais à ma gauche en même temps. Il y a un truc à ma gauche depuis tout à l'heure. À ma gauche, à moi. Ouais, je te jure, ça commence à me faire... Ça commence à me... Ça a pas l'air très loin. Ce souffle, là, sérieux. Je sais pas, mais du coup, depuis, je suis plus rassuré. Ça fait. Tout doucement, comme ça. Mais depuis tout à l'heure, ça claque tranquillement, ça s'approche. J'étais en train d'écouter en même temps ici. Et il est toujours là, le chevreuil. Il bouge pas, il est fixe. Pourquoi il bouge pas? J'en sais rien, parce qu'au bout d'un moment, il se casse quand même. Hein. Il est là, il est vraiment fixe, il a des oreilles énormes. Ouais. Tu filmais quand t'as entendu le souffle? Ouais, je suis toujours en train de filmer. Hein. Ah super. Tant que tu me dis pas stop. On va l'entendre à la caméra.
Bon. Le chevreuil est toujours là-bas. Il regardait dans notre direction. Puis après, du côté gauche, il faisait que ça en fait. On entend des bruits de partout. La forêt vit énormément. Ouais. Il y a plein d'animaux partout. Et tous nos sens sont à l'affût, quoi. Ouais, là tu m'étonnes à 100%. Là. Du coup, on surveille nos arrières quand même. Ouais. Hein, j'avoue. C'est vrai que là, soudainement, ça fait moins le malin. Hein, tout de suite, hein, c'est plus pareil. Hein. Et là, tu te dis qu'il faudrait quand même pas qu'il y ait une grosse caboche qui sorte du forêt. Oui. Ah oui, là, on serait pas forcément dans la meilleure posture. Non, c'est sûr. Mais enfin... loin du véhicule. Il faut pas me sous-estimer non plus. Hein. Je peux faire quelques dégâts avec ça, un loup-garou ou je sais pas quoi. Il est affûté, hein. Je vous le dis, je sais pas si vous voyez. Il est affûté à mort, le machin. Non, parce qu'en plus, on a entendu siffler, une espèce de sifflement au tout début de... Tout à fait. Donc, tu restes sur tes gardes, mais pour tout et n'importe quoi, en fait. Donc là, on a continué d'avancer dans la forêt depuis un petit moment, on écoute. Mais on se disait, il y a énormément de bruit. Autant il y a des forêts super calmes. Celle-ci est hyper agitée la nuit. Ouais, carrément. Il y a des bruits partout. Bon. On continue d'avancer un petit peu. T'as entendu ? C'est clair. Ouais, j'ai entendu. C'est pour ça que j'ai rigolé. C'est infernal. Ça court à ce niveau-là. Tu te dis, vas-y, on passe à autre chose, on avance, et tac, ça fait du bruit. Quoi. C'est un tunnel de feuilles, quoi. Enfin, d'arbres, pardon. Hein, c'est un lieu assez angoissant ici, hein, je trouve. Ouais, ouais. C'est ouais. Ça change énormément la nuit. Hein. Ouais. Puis c'est hyper épais, quoi, comme forêt. Ne serait-ce que pour ça, c'est cool à faire, en fait, c'est cool à vivre. Comment ? Je dis rien que pour ça, c'est cool à faire, à vivre. Oui. Tu vois, fréquenter la forêt de nuit. Ah oui, c'est une expérience. C'est une super expérience. C'est pour ça que je me suis un peu attardé sur le chevreuil, ouais, même si j'en ai vu plein, mais c'est super cool à vivre, quoi. C'est clair. Faut que tu sois un peu plus les attentif. Les abonnés, même si, au final, des fois, il n'y a pas forcément toujours des résultats, ils sont super heureux de voir ça parce que ça, justement, ça les fait voyager. Ouais, c'est ça. Ça leur fait une histoire humaine aussi et naturelle. Et c'est des moments uniques. Mais c'est sympa de s'y confronter parce que ça permet aussi de mieux comprendre les réactions des fois que tu peux avoir ou que les gens avec toi peuvent avoir. Ouais. Un sursaut, une grosse peur. Mais quand tu le dis une fois, tu comprends que ça peut très très vite monter. Quoi. Oui, oui. L'adrénaline. Oui. Ah oui, quand t'as une dose de grenadine, c'est quelque chose. Ah, une bonne grosse dose de grenadine. Bon, écoutez, ça fait
une heure qu'on marche à travers la forêt. On entend énormément de bruit. Ce qui nous a le plus interpellé tout à l'heure techniquement, c'est un souffle qui, je pense, entendra la caméra. Et là, je te propose qu'on aille au niveau du champ et d'aller dans le lieu où tu as eu affaire à une créature qui te suivait. Et ensuite, au niveau des carrières. Voilà. Oui. Donc, bon programme. On a encore du trajet, quoi. Ouais, ouais, il y a encore du boulot. Pour nous, ça prend plusieurs heures. Pour l'audience, pour les abonnés, ça prend quelques dizaines de minutes, mais je vais vous montrer l'essentiel. Il y a des bruits partout, c'est incroyable. J'ai l'habitude de la forêt en pleine nuit, je peux vous dire que toutes les forêts ne vivent pas. Il y en a qui disent oui, c'est normal, il fait nuit, mais oui, mais il y a des forêts où ça ne vit pas du tout, quoi. Pourtant, c'est des grandes forêts aussi. Là, ça, vraiment, ça bouge tout le temps, il y a tout le temps des bruits, à gauche, à droite, ça court, ça bouge. Et donc, dans ce chemin-là, effectivement, de nuit, il y a quelque chose sur le plan des sensations. On sent comme une oppression, en fait, à ce niveau-là. Peut-être l'instinct, je sais pas. Hein, qu'est-ce que t'en penses, Joe ? J'en pense que je suis bien oppressé. C'est étrange, hein ? Et donc, il y a la partie là et la partie... un morceau de ce qu'on a fait cet après-midi. Ouais. Mais je te l'avais pas dit parce que je voulais que tu me sortes au bout d'un moment tout seul en disant c'est rien qu'ici en fait on n'est pas à l'aise, tu vois. Dans l'après-midi ? Non, dans l'après-midi ça a été. Ah oui, bah là on n'y a pas été. Non, on a été de l'autre côté. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Pour pas déranger la caméra. C'est pour ça que je disais si on retourne là-haut, enfin je voulais pas te dire où c'était du coup. D'accord, ouais. Pour que tu me dises que ça corrobore un peu ce que moi. Ce que tu ressens, ouais. Ouais, voilà. Ça va, quoi. Va me dire que t'as pas entendu. Si, j'ai entendu. T'as entendu quoi, dis-moi. Enfin, quelque chose comme ça. Va me dire que t'as pas entendu. Si, j'ai entendu. T'as entendu quoi, dis-moi. Enfin, quelque chose comme ça. Ouais. Merci. Ça venait d'où ? Par là. Je sais pas, j'en ai tout. Ouais, ouais. Là, on vient d'entendre un son rauque. C'était tout un peu sur le... Ouais, comme ça, sur le tour. Ouais, ouais. C'était quoi ? J'en sais rien. Tu peux tester les jumelles nocturnes ? Putain, c'était quoi ce son ? J'en sais rien, mais ça m'a bien fait sursauter. Je pense que là, on l'entendra à la caméra aussi. Hein. C'est assez fort. Le hurlement ? Putain, oui, j'entends. Le hurlement de loup ? Sérieux ?
t'entends le hurlement? Putain, oui, j'entends. Ah, le hurlement de loup? Sérieux. C'était un hurlement de loup? C'est l'impression que ça donnait, en tout cas. Ça, c'est une chouette? Ça, c'est une chouette, ouais. C'est incroyable ça. Dès que t'arrives ici, hein. T'entends? Là? Ouais. On est d'accord. Ouais. Ça court, hein. Ça court, hein. Ouais. T'entends? C'est quoi ce bruit, sérieux? C'est quoi ça? Ça respire. Ça aussi, ça fait. Oui, j'ai entendu, c'est ce que je t'ai demandé, ce que c'était. Ça devient chaud, là, quand même. Ouais. Zone. On va descendre de la voiture. Et il est quelle heure là? Il est 1h du mat. 1h du mat. Ouais. Et on va aller jeter un peu du côté de là où Joe a eu a été suivi avec Caro. Et donc on va rester là. Je sais pas, un quart d'heure, une demi-heure. On va jeter à gauche, à droite. On va écouter. Et puis on avance. C'était où? Là. Où ça? J'ai le temps d'aller loin. Là. Où ça? Là, tiens. Ça m'a acheté un truc juste là. J'entendais craquer depuis tout à l'heure. Je sais pas ce que ça m'a acheté, mais ça m'a acheté quelque chose. On a un chien qui hurle derrière. Là où on était tout à l'heure dans la forêt, on n'entendait pas ce chien qui hurlait là. Et là en fait depuis qu'on est arrivé, ça hurle. Ouais. Et donc j'explique la situation en fait. Ce chien qui hurle depuis tout à l'heure là, depuis qu'on vient d'arriver, on a fait quoi? Un kilomètre. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Et donc, là, il y a un chien, effectivement. Et il s'est passé quelque chose avec Joe. Je ne filmais pas. J'étais en train d'utiliser les caméras, les jumelles nocturnes. On m'a acheté une caillasse, c'est obligé, c'est une caillasse. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? En fait, depuis tout à l'heure, j'entendais pas, là. Depuis tout à l'heure, j'entendais pas. Donc, tu vois, j'étais ici tranquillement, puis j'attendais, j'écoutais. Finalement, comme j'ai entendu que les pas ils s'accentuaient un peu, ça avait l'air pas très loin, tu vois, j'ai voulu monter sur le tas là sur lequel on est. Sauf qu'au moment où j'ai commencé à monter, quand je suis arrivé en haut, ça m'a jeté un caillou ici en fait. Ouais. Un caillou, comment c'est un caillou, mais en tout cas ça m'a jeté un truc. Ouais, peut-être qu'au moment où il a détalé, ça,
En gros, ça a détalé, ça a projeté quelque chose peut-être. Ah, j'ai pas entendu de bruit de... Mais pourquoi le chien n'arrête pas de gueuler? J'ai pas entendu de bruit de course, mais en tout cas, j'ai vraiment reçu un truc. Tiens, on entend. Pourquoi le chien n'arrête pas de gueuler comme ça? J'en sais rien, je te jure, d'habitude c'est hyper calme, il n'y a pas de... J'ai envie d'aller voir, écoute. Ça me démange de trop, il m'a trop fait sursauter. Je dois aller voir, en fait. La prochaine fois que tu entends des bruits comme ça, appelle-moi, parce que moi j'étais en mode en train de chercher de l'autre côté, tu vois. Je sais, mais je m'attendais carrément pas à ça, quoi. Je m'attendais carrément pas à ça. Quand tu entends des bruits et que tu te présentes vers quelque chose, la prochaine fois, vaut mieux que je sois là, ouais. Pour filmer, ouais, en tout cas. Enfin, que je sois là si j'ai pas... Si c'est moi qui ai la caméra, du moins. Au moins que tu puisses... Ça puisse être... Ça aurait pu appuyer le fait que je me suis fait jeter quelque chose, quoi. Le chien, il a pas l'air bien. Franchement, le chien n'arrête pas de gueuler. Je sais pas. Son maître, il fait rien, il dit rien. Mais si, normalement, si. D'habitude, putain, tout à l'heure, quand on est passé... Il n'y a pas de chien qui aboie, d'habitude. Parce que, ouais, tout à l'heure, quand on est passé par... Il y a la petite ferme qui est à 300 mètres, là. Ouais, c'est ça. C'est la seule maison qu'il y a dans le coin. C'est le seul bâtiment... On n'a pas vu de chien, ni rien, d'ailleurs. Il n'y a pas de chien, en plus, dans cette ferme. Ah bon? Mais il vient d'où ce chien alors? Si on avait plus de caméras de surveillance, on pourrait en poser dans le coin aussi. Bah, j'avoue que là, ça m'a un peu surpris de me faire chier ça. Quoi. T'es sûr qu'on t'a acheté une pierre, c'est pas quand elle a détalé? Non. Non, 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 j'en suis sûr. J'en suis trop sûr. J'en suis sûr de rien, mais... Pourquoi le bordel? Pourquoi on t'aurait acheté une pierre? Peut-être parce que je m'approchais. J'en sais rien. Mais c'est bizarre que ça n'ait pas détalé. C'est bizarre que ça n'ait pas couru. Ouais, c'est pas faux. Écoute. Ouais, j'entends. En même temps, dès que j'ai reçu le truc... C'est moi qui me suis écarté tout de suite. Ouais, je t'ai vu te bouger, mais... Ah bah, plus que me bouger, mais... Ouais. Moi, j'étais derrière la voiture. La première chose que j'ai faite, c'est courir, prendre la caméra, parce que j'étais avec les jumelles nocturnes. Ah ouais, en fait, j'ai fait le con. Et direct, je suis venu avec le katana. Ouais. Et la caméra. Mais en tout cas, j'ai reçu un truc, quoi. Alors, est-ce que c'est par... Quand il a détalé, quelque chose est parti, quoi. De tout son pied, sa patte. Bah je vois que ça, je vois pas pourquoi il te jetterait une pierre. J'avoue que l'histoire de jeter une... Mais pour moi c'est bien une pierre qui arrivait vers moi. Tu l'as vu? La pierre? Non mais je l'ai entendu... entendu taper, tu sais, une caillasse quoi. D'accord. Je te parle pas d'un parpaing, hein. Ouais. Sinon on l'aurait entendu bien plus fort. Ouais. Viens, on va jeter un œil de ce côté-là. Putain, c'est frustrant. Ouais. Silence radio. Même le chien, là, il commence à fermer sa gueule, ça y est. Bon.
Là, on a passé une demi-heure ici pour pouvoir regagner la voiture. Donc, exactement. Ouais, la prochaine fois que tu entends quelque chose, en tout cas, faut vraiment voir la caméra au cas où. Quoi. Ouais, c'est clair. Ouais, j'ai fait une... Là, tu vois, j'ai fait une connerie. C'est pas grave, c'est dans le, dire l'euphorie du moment que. Ouais, c'est ça. Que t'as voulu aller voir, ça se ouais, comprend. Ouais, c'est ça. Je sais pas. Ouais, t'étais en train de faire un truc de ton côté, tu vois. Je tournais. Ouais. C'est dommage. Donc du coup, bah, on dira que c'était un lièvre. Ouais. Démarrer un peu fort. Ouais, ça peut être n'importe quel animal, non? Ouais, bien sûr. Un truc. Bien sûr. Et du coup, on peut rien assurer parce que, ouais. En plus de ça, comme il flippait, au lieu d'aller voir, j'ai reculé. Oui, je t'ai vu faire. J'ai reculé, j'ai couru en vérité. Ouais. Être, soyons honnêtes. Ouais. J'ai sprinté comme une petite fille. Mais ouais, ça fait chier là. Bon. Allez. Étape suivante. C'est quoi ça? C'est quoi? T'as pas entendu le hurlement? Ouais. C'était quoi? D'accord. C'était quoi? J'en sais rien. Je sais pas. C'était pas une chouette ça. Bon. Allez. Étape suivante. C'est quoi ça? C'est quoi? T'as pas entendu le hurlement? Ouais. C'était quoi? C'était quoi? J'en sais rien. Je sais pas. C'était pas une chouette, ça. J'ai l'impression que c'est à l'endroit où on avait entendu le bruit bizarre juste avant. Tu veux qu'on dépose une caméra ici, à la limite, et demain, on revient la rechercher et on la pose dans le... Ouais. Dans la caverne. Ouais, enfin, dans la caverne, dans la... Carrément, ça peut être une super bonne idée. Ouais, on va faire ça à ce moment-là. Je suis sûr que ça s'entend. C'était quoi ce hurlement-là? Je sais pas, mais je suis sûr qu'il s'entend. La caméra, il est trop clair, il est trop net. T'as entendu? C'est... Et puis là, au moins, il n'y a pas de coupe, il n'y a pas de... Ouais, bah là, je filme depuis tout à l'heure. Bah ouais. De débriefer et boum. Ouais, je vais passer 100 000 ans sur le montage. Super. ouais, ça fait... Qu'on posait une caméra. Mais c'était quoi ce c'est pas un renard? Non, ça fait pas ça du tout le renard. Sanglier? Non. On y revient? Non. Caro, elle s'est fait flipper avec un renard l'autre jour. Bon, j'avoue qu'il a gueulé pendant un petit moment ce con de renard. Il faisait monter l'ambiance, c'était dans la forêt. Mais non, c'était bien un renard l'autre jour. Mais là, ça ressemblera à quoi? À rien de ce qu'on a habituellement. Quoi? Je suis dégoûté quand même. Ouais. Ouais. C'est pas grave, on va déposer une caméra. Après voilà, on fait ce qu'on peut, on peut pas être partout, on peut pas avoir des caméras tout le temps partout, qu'on filme partout, avec des prises son partout sur les arbres, tout ça. Si les gens comprennent pas, c'est que c'est des cons, puis voilà. C'est quand même pas compliqué à comprendre, on fait ce qu'on peut. Je le dis tout le temps, si les gens sont pas contents et qu'ils peuvent faire mieux, etc., qu'ils le fassent, et puis après on en reparle. Exactement. Qui me casse les couilles. Tu proposes de la mettre où cette caméra? Bon, allez, on va poser la caméra et on se casse. Ouais, en fait, c'est là qu'on va se faire croquer. Ma lampe frontale qui commence à décliner. Donc finalement, voilà, c'est très bien comme ça. On va déposer une caméra, je sais pas. Qu'elle soit assez discrète. Ouais. Oh putain, il y a des orties partout. Des orties? Ah ouais. Ah oui. Toi, c'est un truc spécial, c'est quoi? C'est du jean? C'est un tissu un peu plus souple que du jean. Plus de rire que des orties.
on la dirige par où à ton avis? Dans ma direction. Ouais, ouais. Là, il y a deux chiens. Non, mais je te jure, d'habitude, il n'y a aucun chien qui gueule dans le village la nuit. Mais aucun, quoi. La coïncidence est marrante. Ouais, c'est clair. Putain, dans la forêt, on n'entendait pas ces chiens. Non, on n'entendait que dalle. C'est le silence radio aussi. On a entendu à un moment donné le hurlement d'un loup. Est-ce que tu as entendu le hurlement? Ouais. Non, mais là, à l'instant. Non. Je suis en train de parler. Ah non. Bah tu vois, j'ai en train de parler du hurlement. J'espère que ma voix recouvrira pas le son, je sais pas. Ça aurait été bien qu'elle soit un peu plus... diriger dans cette direction légèrement. On peut mettre une branche en dessous, quelque chose Au-dessus. Ouais. Ouais. Ça bouge, ça court là. Ouais. Je vois rien. Je vois rien. Pendant que j'étais en train de chercher un morceau de bois, j'ai entendu courir à ce niveau-là un truc. J'ai directement pris le katana que j'avais mis dans la terre, planté dans la terre, pour venir voir. Ma loupiote est en train de décliner. Et... Viens, reste à côté de moi. Viens. Éclaire, je vois pas. Est-ce que t'as entendu? Ouais, j'ai entendu. Pendant que j'étais en train de chercher un morceau de bois, j'ai entendu courir à ce niveau-là un truc. J'ai directement pris le katana que j'avais mis dans la terre, planté dans la terre, pour venir voir. Ma loupiote est en train de décliner. Et... Viens, reste à côté de moi. Viens. Éclaire, je vois pas. Est-ce que t'as entendu? Ouais, j'ai entendu. Et là, c'est pas loin de moi. Viens. Putain, je le sentais pas perché là-haut. J'ai pas eu le temps de démarrer la caméra. Ouais, je vois ça. Il faut y aller. Viens. C'était juste derrière toi. Hein. Juste derrière moi. Hein. Ouais. Putain, puis il faut y retourner quoi. Et ça, moi j'étais de l'autre côté, mais j'ai bien entendu. Hein. C'est chaud. C'est bon? Ouais, c'est bon. Ouais, super. Impec. Bon, faut retourner. Il n'y a plus que ta lampe qui éclaire bien. C'était vraiment pas loin derrière moi. Je sais, j'ai entendu. Ça rassure pas honnêtement, faut retourner. Je suis juste à côté de toi. Ouais, je sais bien. Ça n'empêche que j'ai sauté comme une petite fille du poteau. Hein. Tu vois, c'est dans ces moments-là qu'on est content de l'avoir, le katana. Hein? Tu m'étonnes. Vas-y, fais ça en vitesse. Ok. Ouais, c'est bon, on se casse. Ouais, c'est clair. Plein de stress de bâtard. C'est clair. Attends, j'ai entendu marcher ici aussi. Là, par là. C'est clair. C'est par là que t'as entendu marcher. J'ai entendu marcher par là, ouais. Ouais, ici. C'est dingue. Viens. Je me demande si le chien hurle à cause de notre présence ou à cause non, de non, notre non, bête. Non, pas à cause de notre présence. Je viens trop souvent avec mes chiens ici, ça gueule jamais.
Ça ne gueule jamais. Et il s'était arrêté, puis là maintenant il recommence. Mais puis c'est lié à ce qu'on... à ce qu'on entend. Moi, ce que je te disais cet après-midi, on voit qu'il y a un passage. Et t'as l'impression que ça traîne juste derrière, en fait. Garantie que, encore une fois, dans Loup-Garou France, on joue pas à se faire peur du tout. On s'ennuie pas là. Ouais. Et là, j'ai. En montant, j'ai même pris le katana avec moi dans, à l'avant. Je me sens faire exprès. Non, mais là, j'avoue que la tension, elle est montée haut quand même. Normalement, je le pose toujours derrière, vous voyez, enfin, il y a le fourreau. Et. Bon, la caméra est posée, en tout cas, on verra bien. Mais là, ouais, j'ai ma dose, moi, pour ce soir. Là, tu lèves ta dose de grenadine. Tu vois, c'est marrant, parce que c'est là où tu dis, on va venir passer un petit quart d'heure, parce que c'est pas hyper exploitable, en fait. Ouais. Mais en fait... En fait, là, on a passé une heure, je sais pas combien. Tu passes une heure, quoi, quasiment. Ah, le saut que t'as fait quand il y a eu un... L'espèce de cri derrière moi, ouais. C'était vraiment pas loin de moi. Ouais, je sais. C'était vraiment hyper entendu. Proche, hein. C'était derrière le fourré collé à moi. Ouais. J'ai sauté réflexe. C'est le problème, justement, c'est que c'était très, très proche, donc... Bah, c'est ça qui m'a vachement inquiété, en fait. Bah, puis tu vois, c'est pas un... Ouais, truc de ouais. Cochon, ou je sais pas, un brame, un... Non, ouais. C'est un... Wow. Enfin, bref, je saurais pas le refaire. Foutez pas de ma gueule. Bon, ok. Avec un peu de bol... La caméra va le choper. Hein. On verra. Restez connectés jusqu'au bout. On verra si on a la chance d'avoir quelque chose ou pas. Mais là, déjà, on a du contenu. Pour nous, en tout cas, c'est... Ouais, c'est clair, c'est plus que vécu. Là. Ouais. On y va ? Je suis à plat, j'ai les batteries à plat. Ouais. Franchement. On se casse. Allez, c'est parti. Bon, on est arrivé. On va aller se coucher. Donc, débriefing de la soirée. On n'a pas toujours mené large. Non, non, c'est vrai. On a eu pas mal de sons très, très, très étranges. Il y a vraiment une activité dans le coin, c'est évident. Heureusement qu'on s'est décidé finalement à laisser une caméra de ce côté-là. Ouais. Bon, voilà, sans, on ne sait pas s'il y aura du résultat à la caméra, je veux dire, mais ça nous a fait vivre deux phénomènes très étranges. Du côté où j'allais, ça marchait très clairement, quoi. Donc ma lampe déclinait, donc je pouvais pas voir. Donc j'avais besoin de la lampe de Joe, qui est plus performante manifestement. Et puis j'ai bien entendu derrière un son improbable, juste à côté de Joe, qui a couru bondi, vers moi. Ouais, et moi je me suis retourné, j'ai été direct vers lui avec le katana, l'élastique il était tendu. C'est clair. Et puis voilà quoi, après on est resté d'un bon moment quoi, avec l'élastique tendu. Ouais. Vraiment, j'étais prêt à taper. Quoi. Ouais. C'est là que c'est un mec bourré qui sort. En fait, c'est un. Il sort en dégueulante. Ouais, le son improbable. Ouais, calmez-vous, je suis pas un loup-garou. C'est moi, c'est Robert. Vous me reconnaissez pas. C'est marrant, on déconne plus ici. Hein. Ouais, tout à l'heure. C'est genre, dingue quand même. J'avais carrément pas envie de déconner. Non, 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 non. Et la voiture était pas loin en plus. Hein. Pour autant, j'ai gardé le katana avec moi. Katana à l'avant. Cette nuit,
Je dors avec. Et toi, tu dors avec quoi? Je vais dormir avec toi vu que t'as le katana en fait. Ok. Nous, on est chasseurs de regards aussi, non? Et on n'est pas des nombreux.